du café en Seine, à Narbonne, au cœur d'un Languedoc-Roussillon vanté, je vous présente ma chronique d'écran local. Aujourd'hui, point de croisade pour une céramique, pas de dénonciation des publicités sur les zones artisanales et pas de Moyen-Âge. Tout le monde s'en fout. J'ai l'impression qu'ici, en Languedoc-Maritime, les bateaux veulent rester au port. Puisque c'est comme cela, je vais vous faire découvrir, à une quarantaine de mètres d'où je me tiens, la maison narbonnaise où vécut le poète Pierre Reverdy, près de la place des Quatre Fontaines. Aujourd'hui, nous flânerons en ayant dans le cœur cette phrase du poète contemplatif. J'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu'il ne m'en reste plus assez pour travailler. Si je lève les yeux de la terrasse du café en Seine, deux boulets du Moyen-Âge me poursuivent obstinément, ce qui donne raison à Reverdy, qui du fond de son temps me susurre à l'oreille. Le merveilleux n'est pas ici ou là, il est en face. Toujours en face. Inutile de regarder ailleurs, ni plus haut, ni plus bas. Comme Reverdy avait raison. Espérons qu'à Narbonne, un jour, un festival de poésie adoptera son nom. Mesdames et messieurs les politiques, peut-on vous faire confiance? Et, comme le dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, à la prochaine fois. Si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.